Salut à tous, c'est Makoyan Minou. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'ouverture de cartes, d'ouverture de booster. Et exceptionnellement, cette vidéo ouverture remplacera la vidéo que j'avais prévue sur le TCGO. Je prépare un autre truc pour le TCGO, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai... Alors je vais pas l'ouvrir en une seule vidéo, je vais l'ouvrir en deux. J'ai deux duopacks. Donc Offensive Vapeur, un avec la carte promo Rayquaza et un avec la carte promo Krefeld. Je suis tombé, j'ai réussi à me dégoter deux boosters génération. Ce que je fais, c'est que j'en ouvrirai un avec chaque duopack. Voilà, on va faire comme ça. Donc au pif, je vais ouvrir Krefeld. Krefeld, et avec Krefeld, je ouvrirai le Pikachu. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait de ma paire de ciseaux? Elle est là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà ouvert pas mal d'offensives vapeur. Moi je vous avoue que j'en ai pas ouvert énormément. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, dans mon bled, on n'en trouve pas tant que ça. Alors j'ai vu qu'il y en avait au Jouer Club, donc je vais aller faire un petit tour. Mais bon, voilà. Donc ça nous fait en tout 3 boosters à ouvrir. Le Pikachu. Donc là on a Yveltal Turbo et le petit Volcanion. Déjà on va commencer, je vais les retirer, ça sert à rien de les avoir. Commençons par Offensive Vapeur Yveltal. Alors, je montre un petit peu avant quand même Krefeld un peu plus près. C'est une belle promo holo qui est assez jolie. Je suis pas fan hein, des petits Farfadets là, mais celle-là elle est jolie. Donc alors, ils ont un peu plus costaud à ouvrir que les autres. Ils ont même carrément l'air plus costauds. On va les ouvrir comme ça, voilà. Le code. Hop. Et c'est parti. Alors, on démarre avec Trompignon. Ferrosinge. Sans coquille, Soloshi. Après, c'est des cartes que je connais pas mal hein, parce que si vous avez pas vu, j'ai fait une ouverture de 25 boosters en virtuel sur le TCGO. On a un joli Nidorino. Donc, j'ai déjà eu pas mal de cartes. Le Charpe en feu, une recharge spéciale, ça c'est cool. Un Dinoclio en reverse qui est très joli. Et Trioxydre en holo, en rare holo. Ok. On enchaîne avec Volcanion du coup. Et ils sont... je les trouve plus balèzes à ouvrir que les autres, moi. Hop. Le cocode. Hop. On m'a demandé pourquoi je faisais un 2-3, un 2. Alors voilà, c'est juste que, bah, tout simplement, c'est pour mettre la rare et la reverse, enfin les deux plus rares en dernier. Voilà. Le Finissir, Miaous, Ponyta, Furéglon, Pyronie, le Dinoclier qui pourra aller avec mon fossile, une recharge spéciale, hop, je me suis un petit peu spoil, un boule de nœud, ok, le Golet en reverse. Toujours de belles reverse hein. Et Cotovol en rare. Donc c'est pas fameux du tout. Alors on va essayer de s'ouvrir, on va essayer d'avoir un peu de chance dans le petit booster bonus. Là on va se faire le... sur la génération. Alors génération il s'ouvre tout seul. Donc là il n'y aura pas de code hein, vous le savez. Non je crois que c'est... Je me demande si c'est pas un 2-3, un 2-3. Je sais plus exactement, à génération, c'est photo que j'en ai pas ouvert. On va partir sur ça. Un racaillou. Ok. Pouch. Je me positionne. Le Krabi. L'énergie. Oula, je vois que ça brille derrière. On va vite le recacher. Un Fantominus. Un Tilton. Ok. Un joli Spectrum avec peur gothique. Le carton rouge qui fait plaisir. Le joli Ramolos. J'adore ce Ramolos. Et en reverse, il est vraiment pas mal. Ça lui rend honneur, je suis content. Je vais le mettre là. Le Timmy.
Et Tortank. Bon, c'est la deuxième fois qu'on le tire en vidéo, celui-là. Mais c'est pas trop grave. C'est une belle carte quand même. En jeu, elle sera sympa. Hop, voilà. Donc écoutez, hein, c'est pas un tirage extra. Vous voyez, hein, on a eu le Tortank EX. Jimmy, c'est pas une super carte. Le Ramolosaur Reverse. Un fossile. Et le Trioxyde en holo. On a aussi le petit Crefadet du bipack, du duo pack. Donc voilà les amis, c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir dans la foulée, mais je le ferai en une deuxième vidéo parce que j'ai pas beaucoup d'espace en fait sur l'appareil que je filme. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis obligé de le couper en deux. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai le deuxième pack là avec Rayquaza et Tortank de génération. Et puis on espère avoir un peu plus de chance que là. Vous oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aller checker un petit coup mes vidéos. Je fais du TCGO, je fais des let's play si vous avez pas déjà vu. Et on se dit donc à une prochaine vidéo. C'était Makonor Minou, bye bye.